alors cette promotion Beethoven, on la connaît un petit peu mieux puisque ça fait une semaine que on travaille avec eux. On les avait auditionnés, notamment les jeunes talents bien entendu, on les avait auditionnés parmi beaucoup de candidats. C'est pas toujours facile déjà de faire un choix, puisqu'on les auditionne à peu près une demi-heure avec un entretien. Et puis ben, on voit déjà dans les premiers jours de travail où est-ce qu'on peut les emmener, parce que c'est ça un petit peu le but. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec leur bagage technique, déjà souvent très élevé, leur personnalité très différente. Et puis nous, peut-être avec les autres professeurs de l'académie, on a notre expérience en tant que professionnel de la musique, de concertiste, et on sait en gros ce qu'on va probablement leur demander dans le futur. Alors le bilan de cette semaine, bah, c'est que c'était incroyablement riche en émotions, en activités aussi. On a eu beaucoup de cours, beaucoup de répétitions chaque jour. C'était incroyable. Et j'ai l'impression que c'est une année particulière parce que chaque étudiant là est extrêmement motivé. Alors je ne sais pas si c'est aussi un effet dû au fait d'avoir dû arrêter de jouer pendant quelques mois. Je sens une envie, une motivation très particulière cette année. Et en tant que professeur, c'est ce qui peut arriver de mieux. Cette première semaine, elle a été très riche, très intense. Et moi, ce que je retiens, c'est... il y avait un peu de pression parce qu'on se dit comment ça va se passer. Et ce que je retiens, c'est beaucoup de bienveillance de la part de tout le monde. Une équipe super sympa, des collègues très, très talentueux et des profs qui donnent des conseils et qui sont vraiment dans la bienveillance. On n'est pas très porté sur tout ce qui est compétitif et performance. On est plus... Je pense qu'il y a une notion très humaine, un peu familiale dans cette académie qui en fait son charme, je pense, et son attrait dans un monde où on en veut toujours plus et on veut toujours pousser les gens à l'extrême. Là, on essaye d'abord de les écouter et après de les prendre par la main pour les guider sur leur chemin. Et je crois que ça, c'est ce qui compte le plus. Un conseil de mon professeur, je pense que ça serait d'être toujours... très présent quand on chante, de garder une puissance et une stature et de jamais s'effondrer. En fait, c'est une gymnastique mentale et un vrai exercice de concentration, mais moi, ça m'aide énormément techniquement. Et je pense qu'aller en audition avec cette façon de penser va vraiment beaucoup me soulager, en fait. Alors cette année, la promotion Beethoven, c'est 5 pianistes que j'ai pris en audition en mai. Et c'est notre première semaine ensemble. Et ce que je pense, c'est que je suis extrêmement enthousiaste parce que c'est des gens disciplinés, sérieux, mais avec un besoin de transcendance, de beauté, une envie de faire bien, une envie de faire du beau, qui moi m'émeut en fait qu'à cet âge-là, parce que ce sont des jeunes gens, il y a une telle soif de bien faire, de perfection, et c'est quelque chose qui m'inspire énormément.